Bonsoir tout le monde, c'est encore un autre plaisir pour nous ensemble sur le plateau Millénial, dans l'émission spéciale ça, nous fait pendant temps ça, comme nous sommes capables de même façon dont nous recevons invité, la façon que nous avons collaboré avec co-présentateurs, nous avons changé ça pour un petit temps. Donc c'est ça qui fait moi l'émission spéciale. Merci parce que vous êtes toujours fidèle ensemble avec nous, que ce soit la caillou ou regarder nous devant l'écran, que ce soit sur les réseaux sociaux. Yo. Moi, toujours dit c'est la fidélité qui fait nous exister. Nous allons passer un bon petit moment ensemble. Dans le temps, nous connaissons les difficultés que le pays a confrontées et que les jeunes sont très concernés. Eh bien, ces jours-ci, nous parlons des sujets qui concernent au direct par rapport à toute situation que nous vivons dans le pays. Nous allons proposer là et puis nous allons tourner avec invité nous pour nous parler en pile bagaille. Vous êtes jeune, vous voulez vous impliquer? Millénial, magazine socioculturel, vous en donne l'opportunité. Nous retournons, je me suis dit là, merci encore. Parce que vous êtes ensemble avec nous sur Télé Pacifique, la télé innovante, pour capable suivre Millénial, l'émission de prédilection des jeunes. Mais avant bien que nous entrions dans le sujet, nous parlons dans la rubrique Découverte de mots. Nous avons commencé avec une qualité mot, et dernièrement, qui c'était phobie. Nous déjoignons plusieurs phobies, mais nous cherchons des phobies qui sont étranges pour nous présenter. Je dis à nous venir quoi avec deux phobies. Qui est très, très, très étrange. Avant même, moi, dit qui s'allier, moi, essayer de des jeunes, yo. Est-ce que vous avez une idée, les autant des mots, ça, qui ça veut dire? Et c'est exactement ce qu'on va faire maintenant. Première phobie, hein, nous portons pour aujourd'hui, hein, c'est pogonophobie. La pogonophobie. Donc, vous avez une idée, qui ça, ça. Montrez-nous. À qui ça ne pense, Hélène, d'entendre ça? Qui peur liée, pogonophobie? Nous pas une idée, moi le bon anti poule. Peur ça c'est un bagaille. Les moun pa gen, li ou semble avec un emoji ou pas garçon. Vous êtes là ou bien l'a gen, li faut sembler li comme s'il est viril, mais gen fi ki ramel, gen fi ki pa ramel. Nous pas qui s'allier? Ah, nous bois pas en tout cas. Eh bien c'est barbe. Par exemple, nous avons des Risnold là. Et bien, bah, Crystal Magan, puis l'on va le couper pour ne pas arrêter Moji. Hein? Mais on regarde, ouais. Eh bien, la pogonophobie, c'est la peur des barbes. Il y a des gens qui ne peuvent pas les barbes, ne pas approcher sur les barbes. Et pourtant, les filles, il faut gagner, il y a passé mes hauteurs en temps, qui très remèrent. Je ne sais pas si je remets ça, mais même, okay? Je ne sais pas. Mais, nous portons pour pogonophobie, je dis, hein? Qui écrit P-O-G-O-N-O-P-H-O-B-I-E, qui c'est la peur des barbes. Deuxième phobie qui est très étrange, c'est cervalophobie. Mon petit poule, nous ne pouvons pas courir, dit s'allier pour nous. C'est qui s'allier, selon nous-mêmes. Cervalophobie. Si on sait moi. Ou pas là d'un invité à merci, ou trois fois pour moi. OK? Qui est? Donc, comme nous sommes dans Bab, ou tout est dans Bab là, eh bien, ce n'est pas ça. Peur ça, je vais vous donner un petit poule. C'est un bagaille, nous remet en pile. Monsieur surtout, mais moi, je remet en pile tout, parce que moi, je me dis, mesdames, je ne vais pas faire compétition avec monsieur, dans ce sens, ça, dans bagaille ça. Bagaille ça, les gens fait li là, leur social, non, si plaisir li là, li son boisson. Bière, exactement. Est-ce qu'on imagine ou pas quelque chose? Hein? La peur de la bière? Hein? Jean-Bière, l'opka a un bon prestige. Hein? L'opka a un bon qui nomme. Hein? Mais... En tout cas, oui, ça existe. Il y a des gens qui peur bière. Eh bien, ça s'écrit C-E-R-V-A-L-O-P-H-O-P. B-I-E, la cervalophobie, c'est la peur de la bière. Merci parce que vous permettez moi d'enrichir le vocabulaire. Vous êtes jeune, vous voulez vous impliquer? Millénial, magazine socioculturel, vous en donne l'opportunité.
Merci parce que vous êtes toujours là. Moi, je vous dis parce que merci. Moi, toujours dit, c'est 5 petites lettres. Moi, petit, mais qui vous dit un paquet de bagailles. Nous retournons après pause, nous, après découverte de mots, pour nous parler directement de sujet noir. Sujet noir, chita sous stress avec anxiété. Qui, je dis, c'est deux bagailles qui ravager jeunes yo mais des fois que ne pas même ouais ou bien pas même comprendre. Nous avec Jonès Jean qui c'est un psychologue, un très jeune psychologue qui a fait un travail qui est extraordinaire dans la société à beaucoup de jeunes yo, beaucoup de ados yo dans l'école yo. Donc nous allons parler ensemble pour essayer de comprendre non seulement qui ça y est, mais avec situation à vivre aujourd'hui dans le pays, qui ça fait beaucoup de jeunes yo, qui ça qui gagne comme signe si un jeune stressé, si anxieux, qui ça pour ouais, qui ça parent yo gagne comme responsabilité. Donc qui ça tous les mêmes travail à faire dans la société à. Est-ce que il pas nécessaire pour chaque établissement ta capable gagner des monde tant cool pour aider jeunes yo et puis essayer bail des jeunes des conseils qui vivent dans moment ça ou bien des jeunes tout qui dans situation par contre si c'est ça yo gagner. OK? Donc on va voir ensemble toute question ça yo sous stress avec anxiété par rapport avec situation à vivre là et puis c'est moment pour nous dire bonsoir avec invité nous. Bonsoir Jonès. Bonsoir Ruth et bonsoir et à toute panélisio. Et nous saluons dans ce moment ça chaque téléspectateur et téléspectatrice qui a regardé le show. Donc, c'est toujours moins de remédier avec tout invité de nous. C'est un plaisir parce que tu dis oui pour venir parler avec Jeunio. Donc, j'espère que nous allons passer un très, très bon moment. OK? J'aime dire, nous allons parler de stress. Mais avant, ou qu'a font présenter ensemble avec Jeunio? Oui, moi, ça dit que c'est psychologue. Mais en qui ça a travaillé ou a consisté vraiment, qui ça a fait dans la société en tant que jeune psychologue? OK. Et moi, c'est même Jean Sodil. Moi, c'est John Espérance Jean. Moi, c'est psychologue. Et moi, je travaille dans l'école. Donc, moi, je suis psychologue scolaire. Et en quelque sorte, moi, je fais prise en charge pour. Et tout le monde qui a des difficultés d'apprentissage surtout, mais également et c'est des tout le monde tout qui souffrent et qui victimes de violence dans la société. Et généralement, et moi fais prise en charge pour les filles dans la façon que et nous aider à construire féminité. Parce que nous connaissons dans le pays nous, il y a pas bail les filles même éducation avec les garçons. Puis nous permettre que les filles avaient une sentie de victime quelque part, ils sentent que les inférieurs par rapport à les garçons. Hein. Donc et côté n'ap travail côté m'ap travail et bien sûr et moi travaille dans un projet qui fait prise en charge de ti fi sa yo mais également des ti garçons parce que violence qui gagne qui que nous connaît dans société a yo pas seulement touché ti fi yo même si c'est eux même qui principal victime mm-hmm. Non mais touché ti garçons tout. Donc dans sens ça et dans l'école yo moi fait prise en charge pour ti moun yo ti moun sa yo et pour me capable aider ti moun yo il faut que parents, enseignants, direction de l'école, ils sont impliqués. Mm-hmm. Donc, c'est dans ce contexte que nous travaillons également avec parents, dans faire formation pour eux, et pour permettre que ils remplissent le rôle parents bien bon côté de Timon. Okay. Et améliorer la relation parent-enfant, mais en même temps, tout améliorer l'environnement familial. Là. Permettre que l'environnement familial, là, c'est un environnement qui facilite ou bien qui favorise le développement et l'épanouissement de Timon. D'accord. Bien, merci. Si on a essayé de planter des corps là, pour nous capables de commencer, j'aime ce dit là. Quelle différence il y a entre stress avec anxiété? Parce que quand on dit, ah, même bagaille, ah, je me sens anxieux ou bien je me sens stressé, mais je suis sûr qu'il y a une différence. Est-ce qu'on peut partager ça ensemble avec nous? OK. Bon, et dans la réalité, il faut dire que la différence entre stress avec anxiété, c'est vraiment difficile pour cerner. Pour qui ça? Parce que tous les deux états, ça yo, c'est des états qui sont capables d'entraîner un sentiment de détresse important. Mais il faut dire d'abord que le stress avec anxiété, ce n'est pas de mauvaises choses. Donc, pour qui ça, ce n'est pas mauvais? C'est parce que yo joue un rôle important dans l'adaptation. Dans le sens que yo préparer nous pour nous faire face à une situation de danger ou bien une situation d'urgence. Donc, que nous sommes capables de des alertes. Exactement. Dans le sens que yo préparer nous pour nous adapter. Nous. Donc, vous faites face avec une situation, par exemple, pour gagner un examen qu'on va subir ou bien une entrevue qu'on va passer. Mm-hmm. Et corps, cerveau, organisme,
dans le cas stress là, li libérer des hormones. Par exemple, des hormones de stress, tant que adrénaline, cortisol, qui permettent que corps nous li et produit assez d'énergie pour nous faire face avec situation ça. Donc dans ce sens ça, stress là avec anxiété là, c'est pas dans mauvais. Ça c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Mm-hmm. Et mais à un certain niveau, ça devient paralysant, ça devient et quand ça devient et envahissant, ça affecte notre capacité mm-hmm. à réfléchir, à nous concentrer et à prendre des décisions, ça devient pathologique. Mm-hmm. Mais et si m'ta présenté une définition proprement dite pour stress avec anxiété là, c'est ça le tapis. Et quand ça devient chronique, l'on parle d'un stress chronique, là ça devient pathologique. Yeah. Et pour devenir pathologique dans cas ça, il faut que premièrement, il permanent, il durable et il incontrôlable. Mm-hmm. Donc nous stress là lui-même, c'est une réaction normale organisme pour nous faire face avec une situation. Et dans cas de anxiété là qui vient pathologique là, nous plutôt parler de des troubles anxieux. Et DSM là qui c'est manuel de statistique et de diagnostic trouble ou bien maladie mentale, yo définit anxiété comme un trouble émotionnel qui est manifesté par un sentiment d'insécurité et d'impuissance face à un danger et de nature indéterminée. Donc c'est ça nous capables et dit comme définition ou anxiété qui vient un trouble qui affecte le fonctionnement normal nous et qui empêche nous productif qui empêche nous performants dans différentes et façons que nous devons mener la vie. Est-ce que nous capables parler tout en question de permanence parce que oui non quand on examen qui ou stressé parce qu'on pas faire est-ce que ma, surtout ton examen à l'oral bon prend mm-hmm. exemple ça on demande OK ou qu'on baga la mais ça pas bien dit est-ce que on pas trembler etc. ou on stress comme si qui immédiat par rapport avec ça pas faire mais maintenant l'examen est fini. Donc, ou soulagé. Mais on moun qui gagne en permanence, comme si peu importe ça li a stressé, donc je me tape dit là, je me prends un exemple, j'en paye y a là, ou qu'on n'a pas le sorti, ou qu'on n'a pas le tout le monde, parce que la kaou ka disparaître, la kaou ka pon on ka touche, comme si ou qu'on pas qu'elle va penser, mais qui font nos états en permanence ou toujours stressé. Donc, est-ce que là, nous parlons pas de anxiété, est-ce que le gon dimension plus avancée? Que stress là ou bien j'en dis hein nous capable rester dans même niveau ça pas dépendre s'il chronique ou pas. Donc bien sûr et quand stress là il vient incontrôlable, il vient il gon niveau d'excessivité qui monte, donc là il vient un problème et ça fait nous dit que il affecte fonctionnement normal là le ça nous capable tomber dans un trouble anxieux. Mm-hmm. Et nous parler de trois bagages qui est important pour l'entrée dans catégorie de trouble. Et il faut que l'hypermanent, c'est-à-dire me sentir plusieurs fois pendant la journée hein, ou bien chaque jour, mm-hmm. il faut que l'y dure au moins 6 mois, et l'y incontrôlable. Et moi, il vient un moment que je ne peux pas raisonner, je ne peux pas prendre décision, je ne peux pas concentrer pour me faire quoi que ce soit. Mm-hmm. D'accord. Donc, c'est ça. Bien, il y a toujours parlé de jeunesse avec adolescence, c'est une période comme si qui ou vulnérable là-dedans. Mm-hmm. Est-ce que dans la période ça, gagner des angoisses ou encore des situations d'anxiété qui particulière avec période ça adolescence et jeunesse. Donc c'est sûr parce que dans le développement monde nous passons par plusieurs étapes et comme on aime dire avec enseignant yo et avec direction l'école yo avec parents yo tout et gain deux périodes on capable dire qui fragile et qui très important pour et nous considérer yo c'est l'enfance avec l'adolescence. Dans cas adolescent et gain des transformations avec la puberté surtout gain des transformations que qui a fait justement. Des transformations physiques des bagages que le pat qu'on a habitué ouais qui apparaît dans tête dans col il commence à poser tête une série de questions tout ça capable mettre en doute monde que lié mm-hmm. tout ça capable développer la caille et stress avec anxiété mm-hmm. donc c'est normal dans période ça okay. pour nous sentir anxiété et c'est un bagage que stress avec anxiété c'est des bagages que nous sentons chaque jour nous sentons tout le monde presque fait expérience de ça. OK bien maintenant qui si qui capable alerter un parent ou bien un proche un jeune qui dans entourage lui que jeune ça ou bien adolescent ça il stressé ou bien il anxieux qui signe pour eux?
OK. En fait, là, on a parlé de signes ou symptômes. On est capable de catégoriser les symptômes dans divers aspects. Si, par exemple, nous apprenons l'aspect corporel, là, et on apprend, par exemple, palpitations, tension musculaire, et transpiration, tremblement, et les gens sont capables de sentir tout des douleurs ou des gènes thoraciques. Li capable gain difficulté des troubles de sommeil et tout ça c'est des aspects corporels là, c'est des signes qui montrent que mon en li anxieux et une autre catégorie de signes encore non capable prendre sur le plan et émotif et mon a des pensées catastrophes, c'est-à-dire que li toujours en état d'alerte, li toujours penser que à n'importe quel moment une catastrophe qui capable arriver. Donc c'est ça. Et dans aspect et cognitif là, nous capable parler de l'habilité émotionnelle. Et là on a parlé de l'habilité émotionnelle là, nous ouais, variabilité ou bien instabilité des émotions. Et il y a irritabilité tout. Mon n'a toujours irrité n'importe qui exactement. Donc non, mais maintenant Rémi là, est-ce que mon yo dit ça, ah un tel pas de comme ça non, qu'on a commencé demoiselle, qu'on a la bonne mon réponse, tu tout debout pas la veille, il fâché, mais est-ce que on stress là capable de mettre jeune dans état ça pendant que monde qui dans entourage dit pas bien analyser ça la voyer comme mais c'est ça c'est signe ça c'est une signe l'irrité n'importe quoi dit il est toujours prêt pour lui répondre tout ça et sur le plan comportemental tout n'après que il a des difficultés pour le concentrer lui il a des difficultés pour lui prendre décision il devient agressif tout et parfois tout des fois il isole tête lui ou bien il replier sur lui-même. Parce que ça l'a fait face avec la l'IA, il par contre qui non que le capable d'aller. Donc la vivre pas ca exactement expliquer. Mais kounya, oui, ça c'est des signes. Il y a monde tout content de qui dit moi-même l'aime stressé, me grossir ou bien l'aime stressé, pardon, l'aime stressé, il fait moins maigri. Donc est-ce que capable gain ça yo tout et faire ça yo? Bien sûr, parce que corps nous il réagit avec ça nous senti et sur le plan psychologique et toute sorte vive qui soit un choc ou bien un bagage qui déstabilise l'émotion, physiologiquement, il y a des réponses que vous avez à ça. Que ce soit pour permettre que vous adaptez ou avec la situation. Ça. Donc, maigrissement ou bien prend poids, capable d'un effet. Un effet ou bien anxiété. Exactement. Yeah. Maintenant, là, vous parlez de signes, qui est capable d'inquiéter nous? Qui le parent capable d'inquiéter, qui l'entourage capable d'inquiéter. Oui, c'est Jean Sodi, c'est des d'un côté, c'est des bagages qui bon parce que sont alertes, qui motivent, etc. Mais maintenant, si ça y est, on t'explique maintenant, yo les avancer, yo très grave. Donc maintenant, l'obga des jeunes, c'est vous qui doit son monde par contre pas la veille, monter compte comment était avant ou est un changement, qui est ou capable inquiéter pour peut-être consulter un professionnel, je ne sais pas. Donc dans quel niveau capable d'inquiéter? Dans niveau que ça arrive excessif côté que ou pas qu'à et moun nan li pa capable faire rien même dans travail li pa ka travailler normalement, niveau de performance li baissé, niveau de vigilance li baissé et li toujours senti li fatigué. Le ça symptôme yo vinn plus persister à force que jour a passé et mois passé symptôme yo persister, le ça li important pour chercher aide d'un professionnel. Bien. Bien. Et comment vous pensez que dans un moment difficile, ça n'a pas vivre là. Par rapport avec ça, nous disons, comment est-ce qu'un jeune capable de permettre la tête pour lui développer sa optimisme à Kali? Bon, et sans question qui un peu et dit, qui m'a dit en pile et considération, dans le sens que nous vivons dans un pays qui nous vivons dans des conditions, une catégorie, une grande majorité de la population qui vit dans des conditions socio-économiques qui sont vraiment très défavorisées. Et précarité économique est vraiment très, très, très. Et partout, côté n'a passé, nous avons des choses comme ça. Et nous vivons tout. Donc, face à une telle situation, nous avons même dit que la société, a même l'environnement que nous avons évolué là-dedans, est anxiogène, dans le sens que nous exposer nous, nous favoriser le développement de l'anxiété à la caille. Et imaginons un jeune qui l'école et puis il a observé que parents pas qu'à continuer payer l'école pour lui et lui-même il voulait avancer puis devant ou bien un père de famille qui pas de possibilité pour lui répondre avec besoin lui
yon jeune qui finit l'école qui pas ka rentrer dans l'université ou du moins qui quitte l'université mais qui pas capable accéder avec marché emploi. Tout ça capable et mettez dans des conditions pour lui développer une série de troubles. Et si me prête et mot OMS qui dit que et dans un article qui sorti dans Nouvelle Liste en 2017 soit le 29 novembre si je ne me trompe pas 2017, il fait connait que et maladie mentale yo, c'est deuxième problème de santé publique en Haïti. Et tout ça permet que montrer nous que et environnement n'est pas du tout favorable pour nous gagner un épanouissement, pour nous vivre de ma, pour jeunes surtout parce que nous vivons dans une population qui est vraiment très jeune, pour jeunes yo réaliser tête yo. Donc tout ça permet que jeunes yo capable de développer, permet que en fait favoriser le développement aussi de problèmes mentaux. Et pas seulement l'anxiété, mais surtout la dépression. Oui. Et dans le monde entier, la dépression, c'est un petit gros fléau. Il n'y a pas besoin de nous dans le pays, nous en Haïti. Ça, c'est sûr. Donc, mais il y a un bagage dans le pays, c'est qu'il n'y a pas tellement de bagage, ça, trop important. Maladie mentale, il n'y a pas de bagage. Justement, pour venir avec ça, si nous regardons l'effet que ça est capable de gagner sur le rendement académique en jeune, en adolescent, ou encore des jeunes qui ont fini mais travail sur le rendement professionnel. Le plus souvent, nous n'avons pas fait analyse, les gens pour nous faire. Qui sont des résultats de stress, d'anxiété, n'a pas lié à là. Par exemple, un jeune qui n'a pas coûté, par exemple, professeur. Peut-être dans un temps, pas de concert, mais qu'on y a là, et professeur, même qu'on y verrait le bandit. Ou bien dans l'école, côté toujours utilisé fouet, son jeune, de temps en temps, il aurait la direction pour y aller. Son jeune qui n'a pas fait, qui n'a pas fait, qui n'a pas résultat encore. OK? Donc, son petit monde qui presque. Indésirable. Oui, qui. Donc, comment est-ce que on parce qu'on travaille dans le milieu académique, donc comment un professeur, un directeur de l'école, un responsable même Jean Smavot, a supposé agir en face de monde pour essayer ouais est-ce que qui problème qui passait ça passait est-ce que c'est pas même des résultats qui découlaient de stress ça d'anxiété ça n'a pas lié à là. Bien sûr et bon dans cas ça et face avec situation ça donc nous ouais ça nous jouons ça dans la société nous hein. Moi même qui dans le milieu scolaire là. Et c'est chaque jour, moi je viens de Kassayo. Et c'est ça qui fait l'important pour nous travailler avec enseignants, pour qu'on connaître quel type de formation qu'ils doivent avoir. Parce que les jeunes, ils ont une enquête d'identité, ils ont besoin de repères, ils ont besoin des modèles. Et parole, violence verbale ou bien psychologique que un professeur fait sur un élève, capable de déterminer ce que l'élève est capable de devenir demain si Dieu veut. Imaginez que élève ça c'est ta professeur ça t'apprend comme un modèle. Le fait qu'on dise ça ça a déjà changé toute perception que le gagne de tête li. Donc ça capable mener le plus loin toujours. Donc c'est ça qui fait l'important pour nous vulgariser, pour nous faire éducation l'autre façon dans l'école yo. Pour au lieu que professeur yo c'est des monde qui a m'daka dit stigmatisé ou bien qui a discriminé et qui n'a pas un accompagnement adéquat, qui ont venu des alliés qui a permis que Timon, ça n'a pas joindre de yon kaye parents, yon joindre dans l'école là. Mais maintenant, parents, tout, est-ce que c'est la même pression que tu as supposé gagner ou bien l'autre approche? Parce que les parents, ils n'ont pas joué avec l'école. Ils vont à l'école, ils ont même fixé des moyens pour poter. Mais imaginez que stress ça, situation ça, Timon a vécu là-dedans, que même ni même ni pas expliqué, que parents, tout, des fois pas même, ouais, fait baisser. Soit au calé timounan, soit au bal punition, soit au dit des trucs comme si qui dérangeant, il faut étudier, l'elvini, des pour fin manger, al prend livre. Donc est-ce que c'est toujours même pression ça yo ou bien tu as supposé bon l'autre approche pour essayer de comprendre ça qui passé qui fait moyen dans BCA qui fait comportement dérangé. Hein? Donc parents ça yo comment est-ce que tu as supposé réagir face avec situation ça yo? OK. Donc c'est ça prise en charge timounan ou bien adolescent. Li doit d'abord chercher connait qui ça qui à la base de problème que ti moun a vivre là. Et il y a plusieurs facteurs qui capable à la base de anxiété ou bien et manque de performance et que ti moun nan li a bay dans l'école là, c'est pas seulement dans l'école là. Il y a des bagages que ti moun nan vivre là quand il poté l'école là. Justement. Par exemple dans des familles qui déchirées. Ti moun nan et hier soir, il était témoin de une scène entre maman avec papa qui était en discussion entre eux.
l'elle vient l'école là, ça le t'est vivre là, l'irrité dans l'esprit. L'elle vient l'école là, c'est pas même disposition. Hein? Mm-hmm. Déjà, facteur familial, yo important dans condition apprentissage là, dans état et anxiété que Timoun l'a vivre. Donc, il faut que nous tenions compte de différents facteurs, facteur familial, facteur environnemental, facteur qui est lié avec milieu scolaire là, mm-hmm. et que ce soit direction, enseignant, Timoun avec Timoun, et surtout prend en compte tout des facteurs et individuels, parce que chaque monde son monde. Mm-hmm. OK? Donc, il faut tenir compte de tous ces facteurs pour aider l'enfant. Donc, c'est ça que fait, l'important pour parents, ils ont l'autre approche. L'important pour parents, ils ont tendé Timoun plus. Ils ont accompagné. Ils ont barré, ils n'ont pas rien fait. C'est ça. Si tu as parlé avec un jeune, pour tendre ça qui a sorti dans le lit, qui s'est senti, et puis essayer. Donc, c'est des pratiques dans la société nous, qui n'est pas bon. Yo, comme si Timoun n'a pas une opinion, il n'a pas une parole qu'il est capable de dire, il n'est pas porteur d'aucune parole. Justement. Donc, il faut que nous apprenions Timoun pour exprimer ça quand même. Bien. Donc, maintenant, est-ce que Kounia, j'en ai parlé de questions parents, c'est vous nous font passer sous professeur, est-ce que pas une nécessité pour chaque établissement, que ce soit privé ou encore public, gagner des gens, tant qu'ou, qui ont fait genre de travail ça, pour accompagner les jeunes, et puis l'État lui-même, qui rôle est capable de gagner dans mettre aspect ça même dans le système éducation dans le pays. Donc. OK, donc il faut dire que dans le domaine santé mentale en Haïti, il y a un manque de personnel. Pas de trop psychologue, pas de trop. Bon, pour le psychiatre, là même, c'est deux, trois pour yeah, joindre. Ça, c'est sûr. Travailleur social. Et donc, c'est rare institution nous joignent qui a fait genre de travail, ça, qui gagne des psychologues qui sont présents dans l'école, qui pour faire des interventions comme ça. Et donc, ce n'est pas seulement l'école qui est important, mais tout côté qui gagne moun, yon a fréquentation, gen rapport moun ak moun, t'as supposé gagne psychologue pour faire travail ça. Et dans l'église, parce que c'est des bagages que nous vivons, ça nous vivons dans la société, yo des fois, yon dépassé nous. Et ça fait l'important pour yon professionnel aider nous, accompagner nous. Non, affronter ça n'a vu chaque jour. Donc, ce n'est pas seulement dans l'école, yo, mais il faut que l'Église emboîte le pas, il faut que différentes autres institutions yo emboîte le pas pour permettre que nous soulager la souffrance psychologique que la société nous a générée. Mm-hmm. Donc, c'est ça. Bien. Donc, maintenant, est-ce que Patagien, ou tu as mis avec l'autre psychologue pareil ou qui constatait genre de problème ça, fait, je ne sais pas, c'est son pétition pour demander l'État. Comment est-ce que, peut-être pas dans toutes, mais dans l'instance qu'il a, qui est capable de imaginez, nous parlons combien de temps là? Nous parlons, je ne parle pas à l'école vraiment. Ou commencez aujourd'hui, hein, demain, vous ne pouvez pas aller, vous faites 3 mois chita. Après, vous attendez l'examen arrivé. Yo brabache on barre baou l'arrivé mettre là du fort chita fort suivre des fois est-ce pour pas même sous ça on demande comment faire tourner pour la caou ou tant des manifestations dehors est-ce qu'on comprend donc yo dit l'école après prendre ou bien la ria font frère tout petit monde retourner à l'école c'est mettre uniforme à l'école mais pas grand monde qui dit comment état d'esprit jeune ça est-ce que l'arrivé l'école là la cachita vraiment pour prendre ça la prend yo pas besoin connait est-ce que l'elle prend l'examen bon OK comme année a pas trop bon alléger examen. Donc, c'est ça, Mabdou, comment est-ce que nous-mêmes nous capables de mettre ensemble pour nous poser des actions? Bon, c'est vrai, ou même moi, faire de façon pas, ou même mm-hmm. seulement pas qu'arriver. Oui, il faut donc, que comment est-ce que nous capables de poser des actions concrètes pour alerter l'État pour dire, hé, il y a un problème là. Après tout, bagaille ça, jeune, ça, on nous va le dire, demain, si Dieu veut, génération, nous va le gagner là. Comment est-ce que nous va le sortir avec tout problème mental ça? Pour moi-même, je ne crois pas que l'État n'est pas conscient de ça. Moi, je connais qu'il y a des études qui font, il y a des colloques qui font. Il y a des enquêtes qui mènent, il y a des rapports qui baillent sur l'état santé mentale en Haïti. Mm-hmm. Ce n'est pas parce que l'État n'est pas au courant, n'est pas conscient de ça. Mais nous sommes capables de dire manquer une volonté de bon côté de l'État pour lui faire travailler ça. Et deux centres qui gagnent pour la question de santé mentale, aussi dans de mauvais états. Donc, si. Bon, la santé, c'est un bagage qui nous pas accès avec tout et l'État lui-même n'est pas investi là dans tout. Justement. Donc, nous même beaucoup t'es pas nous en tant que et psychologue professionnel, institution qui fait appel avec nous, quelqu'un institution yo, nous emboîter le pas, nous fait travail ça. Mais beaucoup t'es nous tout, nous prenons des initiatives.
Par exemple, nous avons psychologues en Haïti, nous regroupons. Par exemple, nous avons une association haïtienne de psychologie qui fait travailler ça dans la société. Nous. Il faut que ça continue à parler dans la radio, dans la télévision, pour permettre que le peuple soit même plus conscient de l'importance et professionnelle en santé mentale, yo gagne, comment vous êtes capable d'aider. Yo. Parce que généralement, dans la société, nous, l'homme a un problème, c'est l'église d'aller. Justement, je parle de ça, nous n'avons pas une culture ça, pour dire que nous avons un psy. Le plus souvent, tout le monde qui a le web, si, c'est mon gars l'argent. Ou bien c'est mon qui fait tout. Oui, parce qu'il n'y a pas de différence entre mm-hmm. deux professionnels. Le web, si on a un psy, on n'est pas obligé de fou pour ça. Ou bien on a un problème, on a besoin de temps d'eau, on a besoin de conseil, on a besoin de sorte de thérapie. Et pour aller au psy, nous n'avons pas une culture ça. D'ailleurs, nous n'avons pas l'importance de psychologue dans la société. Ça n'a pas gagné. J'en dis, on n'a pas gagné assez. Mais tout nous pas qu'on salve même gens avec environnement j'en a servi ensemble avec si nous déconne qui qualité rolling qui rolli jouer dans société dans vie nous gè bagay nous pas ta faire. Exactement. Donc c'est ça que fait m'a parler de j'en saute à parler assez très bien sensibilisation pour montrer moun yo li important c'est pas parce que m'ka dit je suis kata moi ou bien c'est moun en haut pour comme si c'est normal pour mal ka psychologue mais l'aime gon bagay m'relé Saint-Tel mal côté pasteur mal dans comité l'église là vous comprenez ça me dit prier sous tête moi et puis pour problème dans disparaître. Donc, je sens que ça m'a dit, est-ce que pas gagné, j'en dis, hein, comme on dit, nous fait travail ça déjà, pour sensibiliser, que ce soit à travers l'école, mm-hmm. l'église, etc. Donc, je pense que c'est une bonne chose. Mm-hmm. Maintenant, nous voilà le passé, sûr que nous n'avons pas avancé vers fin émission avant que je nous pose des questions à eux-mêmes. Okay. Parents, ils ont tout par exemple de stress, là, ensemble avec l'anxiété, là, par rapport à ce qui a passé dans le pays. Là. Mais maintenant, des jeunes qui n'ont pas sorti, l'école fermée, bon, on me dit provisoirement, bon, comme nous, par contre, qui l'a ouvri. C'est des jeunes qui étaient la caillou, des adolescents qui étaient chaque jour la caillou. Maintenant, parents et tout, qui a fait face avec même stress ça, qui comportement ont supposé gagner la caillou, qui ne peut pas refléter sous jeune. Parce que gagner stress ça, si on en prend directement. Mais les compter sur un monde, et puis le monde ça, li stressé même gens ensemble avec elle. Donc là, li senti li laisser pour compte li. Donc qui comportement qui sous ta bay parents yo en conseil, qui comportement ta supposé gagner face à tout ça qui a passé là ou bien avec l'autre problème que rencontré dans vie yo, qui ta supposé épargner ti moun yo de comportement stressé que même yo capable bay la caillou. Donc il faut dire que parents, bon côté parents, il faut que li gérer, apprendre gérer stress pal, apprendre gérer anxiété pal pour empêcher que et anxiété pal là et favoriser développement anxiété ka ti moun nan et en dan ka la il faut que parents capable et créer une ambiance créer un environnement et m'ta ka dit de convivialité qui favoriser épanouissement ti moun nan et contrôler tout ça qui capable déranger soit dans ça l'a tendé ça l'a fait etc. Et donc d'une façon pour autrement dit m'ta ka dit parents doivent arriver dans situation pour lui créer pour lui développer une routine positive pour gérer foyer. Bien. OK. Donc j'aime ça dire là, n'a prend question sans intermédiaire. Bonsoir tout le monde. Non pas c'est Kelly Jules. Moi suis un jeune qui remet pays et qui t'a remet toute l'autre jeune par moi avancer normalement pour apprendre. Moi mais et débat ça que tu as fait tout à l'heure. Ma question et le mot c'était anxiété. Anxiété. Donc, nous parlons de stress, là, nous avons stress, nous sommes capables, si tout pour mesdames, nous sommes capables de perdre des cheveux, nous sommes capables de venir maigrir, dans plus d'autres choses, nous sommes capables de tout. Bon, pour l'anxiété, est-ce que nous capable de ramener les gens vers la folie? Faire les gens une maladie, ça a une folie. Est-ce que l'anxiété est capable de ramener les gens dans la position? Ça? Merci. Ok, merci pour la question. Et le mot folie, c'est un mot m'ta k'ap di que nous utilisons dans n'importe sens et mais maladie mentale yo gen différentes maladies mentales et anxiété a li même li capable mener à la dépression s'il pas joine yon prise en charge li capable mener à la dépression et dépression li même c'est un bagage qui vraiment c'est un pi gros fléau qui gen comme on t'ai dit tout à l'heure. Et donc, dépression, hein? Qui sa dépression est d'abord? Dépression, c'est yon côté, en fait, dans dépression, moun nan senti que
li perd du tout énergie, li manque intérêt pour le faire, même yon tâche qui est plus simple, même lever dans la cabane de la caille. Li perd du tout énergie, motivation li vraiment baissé, li pas incapacité pour li fonctionner normalement dans la vie, dans l'activité que le doit faire. Donc, anxiété est capable de mener à la dépression. Mais parler de folie dans le cas ça, tu as réservé. D'accord. En fait, nous disons bonsoir avec Ruth et bonsoir avec et monde qui sous nan et monsieur Jean. Je pense que ce sujet ça est vraiment important pour nous parler de lui. Mais nous t'aimer connaît qui différence qui gagne entre crack et anxiété. Différence entre crack et anxiété. OK, merci. Merci, c'est une belle question. Et crack là lui-même c'est son niveau de stress. OK, par exemple, il y a un artiste qui va faire un concert, il sentit un moment avant de monter sur scène, il sentit crack là, mais après quelques minutes les sentir à l'aise, donc c'est un état passager de stress que lié, mais anxiété a son lot de bagages liés. Anxiété a li capable son trouble en tout cas qui empêchait li fonctionner normalement, même j'en nous t'ai dit de t'expliquer tout à l'heure. Donc on connaît trac. Bon oui, on connaît trac. C'est sûr que mon professeur t'a toujours dit ça, peu importe mon nier qui tout est habitué, une fois que vous pral intervenu en public, bon 2-3 secondes, une minute qui pas pour. Oui, ça okay? Donc, si là, elle est au-delà de cela, là, elle va entrer dans le stress, etc. Mm-hmm. Mais là, trac, là, c'est même, je veux dire, c'est pareil qui est normal. C'est alerté, tu dois bien faire. Tu t'es préparé, tu vas bien faire. OK, les conseils, on fait respiration, tu crois en toi, tu te fais confiance, tout ça. Donc, c'est exactement ça, là, je pense. Bien. On prend la dernière question. Bonjour à tout le monde. Je suis content là avec nous. Et monsieur Jean, qui font un travail extraordinaire. Je remercie ça. Et je suis content de travailler là. Et la question maintenant, c'est que l'autre parle de parents qui ont stress, et puis si ils ont stress tout, et puis j'ai le stress par là. Qui j'ai expliqué ça? Parce que ils ont stress quand même, il faut qu'on ait un monde qui fait le stress, et puis pour ça, lui-même, pourquoi ne pas le gérer le stress là? Qui j'ai compris ça? OK, comment nous est capable de gérer stress là pour l'empêcher que stress là lui envahit toute sphère familiale là. Donc dans gestion stress là et nous capable dire que li important pour nous gagner pour nous établir un mode de vie et de pensée qui favorise une bonne hygiène de vie, une hygiène alimentaire tout parce que ça n'a manger li contribuer dans li affecter comportement nous. Donc gagner une bonne hygiène de vie et contrôler état de pensée permettre capable aider parents à faire face avec stress li a et établir une bonne hygiène de vie par exemple li capable pratiquer des exercices physiques et des exercices de relaxation de respiration OK et passer des moments de détente en dans kayli et sortir ensemble avec famille et promener dans la nature, écouter des musiques qui sont capables de motiver, qui capable permettre que lui retrouver énergie lui, tout ça capable travailler aider lui faire face avec stress là. Donc éviter toute situation qui est toxique. Exactement. Par donc exemple, c'est une routine qui est positive. Justement, gros bagarre ici en fait pile, traverser dans voisinage, acheter à son don l'autre monde, à le faire tripotage, ça dérange. Donc ça va faire partie de hygiène de vie, c'est non en palais. Nous t'avais samedi Risnold. En tout cas, merci à Kelly Jules, Donald Jules, qui est frère, et puis Risnold, notre Risnold à nous, qui t'a participé dans Question sans intermédiaire. Merci. Bien, bon, c'est que c'est la dernière question, Mme Gepompozo, qui c'est conseil là, mais conseil là, c'est pour jeunes, ados, qui n'ont situation de stress là. Parce que ça t'explique qui si ou bien encore qui symptômes ou capable de sentir, qui capable de faire connaître que nous avons un état de stress, ok, par rapport avec une situation quelconque, qui peut-être pas ça vivre là, mais on a l'autre situation personnelle ou bien dans l'entourage. Maintenant, qui conseille ou capable de faire avec un jeune qui est dans une situation ça, kounien, cap gade millénial, ou bien un jeune qui est dans le chita à côté de nous là, qui qu'on ressentit ça, ou bien qui sentit pendant le chita là,
et que vous voulez aider yo dans façon pas. Bon, ça me capable dire avec tout jeune qui sous plateau ensemble avec moi et qui a regardé nous là et moi capable dire nous et face à la situation on a vivre là certes et situation pays nous est vraiment très inquiétant mais il ne faut pas perdre espoir. Il y a des choses à faire. Continuez à prendre soin de tête nous. Continuez à gérer un mode de vie qui est sain. Et pas chercher à faire des bagages qui sont capables de mettre nous dans des situations pour nous faire face avec anxiété. Pour permettre que nous avancions puis devant. Il y a beaucoup de choses à faire. C'est à vous de le faire. C'est pas. Nous sommes capables de toujours chercher aide dans un professionnel quelconque, mais il y a des bagailles, c'est vous-même qui êtes capable de faire pour tête. Donc, il faut que vous preniez soin de tête. Et d'abord, c'est vous-même d'abord qui pouvez faire ça. Ensuite, l'autre qui est bon côté là, vous êtes capable d'aider, montrer comment vous-même vous devez traiter. Pour permettre que vous-même vous allez bien dans l'esprit et dans le corps. Merci à M. Jean. Merci infiniment qui t'es ensemble avec nous aujourd'hui hein, pour te faire parler avec jeune yo sous stress et aujourd'hui nous connaît le grand pile jeune moi même jeune en pile jeune qui dit moi tellement stressé ou pas font idée. Yo n'a pas qu'à expliquer mais yo met mot à sous lui puis yo dit yo stressé, gien qui dit que yo tellement serré des fois même de l'eau avec pas qu'à descendre tout ça parce que yo pas qu'on commander mais à fête. OK, mais je n'en saute pas de l'an, monsieur Jean Dinou, il faut garder espoir et yo toujours aimé dit ça, les nouvelles il puis fait noir. C'est le ça, libre à le jour et mais battre pendant tout le temps ça, où tu es dans le fait noir, où tu travailles sous tête, où tu es capable de gagner un meilleur jour, l'elle fait joie. Merci vous-même qui t'avez regardé nous sur les réseaux sociaux. Merci à tous les techniciens, moi, yo, Johansson, Jose, et Gracia, Jovenel. Un petit coucou à vous, parce que sans technicien, yo, tout, nous ne pouvons pas jouer pour nous regarder avec bel monde qui bote, pour nous jouer de millénial. Bye bye tout le monde, à la prochaine.